Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, j'espère que vous allez bien, ça fait très longtemps que je vous ai pas filmé une vidéo. Du coup aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer mes favoris parce que ça fait très longtemps que je vous ai pas fait ce genre de vidéo et ça manquait un peu, surtout qu'en ce moment j'ai reçu pas mal de choses qui m'ont beaucoup plu. Il y a plein de choses que j'avais envie de montrer. J'ai tout d'abord à vous montrer ces chaussures-ci, voilà, des chaussures du coup que j'ai achetées pour mode. Il y a un mois à peu près, moins de là, et c'est des chaussures, vous savez, noires comme ça, c'est un peu, ça s'appelle des derby, mais elles sont magnifiques, on peut pas dire le contraire, ça plaît pas à tout le monde. Et j'avais pas de chaussures noires comme ça, du coup je les mets genre tout le temps, là vous voyez déjà comment déjà ça m'y met, donc du coup voilà, je les mets énormément, elles m'ont coûté 45-49 dans ces alentours là. Bah, comme on est dans l'hiver, j'ai ce genre d'écharpe. Voilà, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé où je l'avais acheté parce que je l'ai mis sur mon Snapchat. Et du coup, c'est ma soeur qui me l'a ramené d'Angleterre. Ce genre d'écharpe, on en trouve partout. J'aime beaucoup les motifs et les couleurs. Ça va un peu avec tout, je trouve. Et c'est hyper chaud ce genre d'écharpe. Ensuite, j'ai un pantalon de la marque One Piece à vous montrer. Sauf que je ne l'ai pas. Puisque j'ai encore renouvelé un partenariat avec One Piece. Et cette fois-ci, ils m'ont envoyé leur jogging. Sauf que moi, j'ai pris la plus petite taille, mais ça me va trop grand. Du coup, je l'ai passé à ma soeur qui, lui va bien. Du coup, elle l'a et j'ai complètement oublié de le prendre avant qu'elle parte. Mais c'est un jogging tout simple. Ils sont hyper confortables, hyper doux. J'ai un code promo pour vous de la marque, pardon, One Piece. Donc, je vous mettrai en barre d'infos. Ensuite, au Shein, mon corps a envoyé deux petites... petite merveille, hein, voilà, Shein, j'adore, ça fait depuis presque un an que je suis en partenariat à long terme avec eux en fait. Donc ils m'ont envoyé tout d'abord ce manteau-ci qui est super long, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il est en matière un peu gudin et il est marron, il est hyper chaud et voilà, donc il y a une fermeture, il n'y a pas de poche par contre. Ça c'est un peu dérangeant pour un manteau parce que souvent on aime bien mettre... j'ai pas nos mains dans les poches ou quoi, donc c'est dommage, mais il est hyper chaud, il est hyper confortable, il est super beau. Ça c'est une robe qui est très jolie, donc c'est une robe, vous voyez, grise comme ça, donc elle arrive à la hauteur au-dessus des genoux. Elle est moulante, hein, voilà, je vais pas vous cacher, donc je les prends en XS. En fait, ce qui m'a fait craquer sur cette robe, c'est les épaules en fait, donc c'est des épaules dénudées avec en fait des petites... petit volant comme ça, elle est super jolie, elle est bien cintrée à la taille donc c'est super, enfin pour ma part, et du coup elle est pas trop courte parce que déjà qu'elle est moulante, alors si elle serait courte. La marque Bigumi m'a contacté pour savoir si je voulais faire un partenariat avec eux, donc j'ai accepté. Les gros gilets tout pilou pilou, plein de genre, c'est tout pilou pilou, j'aime trop ce style et j'aime beaucoup comment me présenter le site en plus de ça. Donc ils m'ont demandé de choisir un de leurs gilets en fait, donc j'ai choisi celui-ci. Donc voilà, vous l'avez peut-être aussi déjà vu sur Snapchat, hein. Voilà, donc il est noir, j'aime trop la capuche, elle est rose fluo. Donc vous avez des grandes poches et vous avez en fait, ça vous savez, pour mettre les pouces au niveau de la manche, donc pour pas avoir trop froid aux mains. Et la fermeture éclair est genre immense, je sais pas si vous voyez, c'est trop énorme quoi. Mais je crois que j'ai un code promo pour vous, donc je vous mettrai en barre d'infos. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos si vous voulez aller voir. Surtout à l'approche de Noël, ça peut faire un très beau cadeau de Noël. Ensuite, j'ai deux bougies de la marque Jewel Candle à vous montrer. Je vous avais déjà parlé de cette boutique il y a bien un an de ça. Et du coup, j'ai renouvelé la collaboration avec eux il n'y a pas très longtemps. Donc j'ai pu choisir deux bougies. Donc j'ai choisi deux bougies dans le thème un peu de Noël, hein. Donc la Winter Wonderland. Voilà, c'est celle que je fais brûler en ce moment. Elle sent genre hyper bon. Voilà. Et c'est pas des odeurs hyper fortes et c'est ça que j'aime bien. La particularité de Jewel Candle, si vous ne connaissez pas, c'est des bougies. Donc vous avez soit des bougies, vous avez soit des boules pour bain. Ils ont développé plein d'autres formats dedans. Vous avez dans du papier d'alu un bijou, donc vous avez soit un pendentif, soit une bague, soit des boucles d'oreilles si je me trompe pas. Moi j'ai choisi des bagues, voilà, donc bientôt je pourrai découvrir ce qui se cache là-dedans et quand je ferai brûler celle-ci, la même.
Et voilà, c'est pas des bougies qui coûtent super cher et ça peut être un super cadeau de Noël. Ça fait un cadeau dans un et surtout que le bijou à l'intérieur est genre super super beau. Ensuite, donc ça c'est un concept que j'ai genre trop adoré et je suis genre trop contente d'avoir pu recevoir ça. Je ne connaissais pas du tout et je me dis que en fait au début j'ai beaucoup hésité avant d'accepter parce que c'était pas... Je me suis dit comment je vais leur montrer ça en fait. Bientôt Noël donc... Autant balancer les idées de cadeaux. En fait c'est une box qui s'appelle Retro Box. Premier site de vente en ligne consacré aux années 70, 80, 90. Et en fait chaque mois du coup vous avez un thème. Je crois que je vais recevoir si je me trompe pas une autre box de ce site. Donc comme ça je pourrais vous montrer ce qu'il y a dedans aussi. Déjà j'aime trop les box. En fait genre vous recevez ça et vous avez plus qu'à y offrir. Il y a tout dedans. C'est super bien présenté. Ne grandissez pas, c'est un piège. Très belle citation. Ensuite, autre favori que j'ai à vous montrer, c'est mes lunettes Eddie Watson que je vous avais déjà présenté dans mes derniers favoris, je sais plus quoi. Ces lunettes, je les adore et j'avais vraiment envie de vous en reparler. Je suis souvent fatiguée et du coup, ces lunettes, mais genre, dès que je commence déjà à avoir les yeux qui sont hyper fatigués, je les mets et ça m'aide déjà plus à me concentrer. Ensuite, l'Occitane m'ont envoyé leur calendrier de l'Avent et ça, je suis trop contente. C'est... Waouh, j'étais trop contente parce que quand je voyais les autres youtubeuses les années passées, genre vous savez qui montrait sur Snapchat tous les jours du mois de décembre, il y en a qui ont des calendriers de l'Avent de chocolat, il y en a qui ont des calendriers de l'Avent de produits, mais je trouve que ça peut être rentable. Ce soin ci que j'adore, je vous ai déjà présenté, c'est Neutrogena qui font ça et genre c'est un soin que j'avais pas utilisé depuis hyper longtemps et je l'ai réutilisé il y a pas très longtemps. Il est toujours aussi efficace, donc c'est un désincrustant pour les points noirs, c'est une crème nettoyante. Enfin, ce soin je l'adore, je me l'applique donc avec ma brosse nettoyante du Braun. Donc vous l'appliquez, moi souvent ce que je fais c'est ici, principalement c'est la zone ici et après je fais un peu partout, le menton etc. C'est un soin qui marche à fond. Ensuite j'ai reçu les petites nouveautés de Mercy Andy. Mercy Andy, vous le savez, c'est une marque que j'adore. Donc j'ai reçu leur nouveauté, c'est les dentifrices, donc il y en a trois. Il y en a un là au réglisse, il y en a un à la menthe fraîche et celui qui est internat, je sais plus là quoi. Et je trouve qu'ils sont super rigolos, moi j'aime trop et leur sens, enfin leur goût etc, j'aime trop. Donc c'est encore une super nouveauté de Mercy Andy, ils sont toujours là à innover des trucs de ouf donc... C'est super, je valide de leur petite nouveauté. J'ai reçu ensuite un duo de Gatissier. Je connaissais cette marque mais j'avais jamais testé. Donc il y a l'après-shampoing et le shampoing qu'il y a à l'internat, que j'ai laissé aussi là-bas. Super. Mais c'est un duo qui marche de ouf. Donc moi je les utilise séparément. Ou des fois quand je ramène le shampoing à la maison, je les utilise ensemble. Mais c'est un super duo. Ils sont... Voilà, mes cheveux en ce moment c'est pas trop... Bon là ils sont hyper bouclés parce que je me suis fait des nattes hyper serrées, du coup ils sont hyper bouclés, j'aime trop. J'ai la masse de pellicule, je sais pas si c'est à cause de mon alimentation, de je sais pas quoi, mais j'ai la masse de pellicule, j'ai beau me faire des soins anti-pelliculaires, c'est incroyable. Genre en fait je pèle des cheveux, enfin c'est bizarre, je comprends pas mes cheveux. Ensuite c'est ceci que je vais vous montrer parce que pareil, chaque fois que genre j'y mets sur Snapchat ou quoi, vous êtes là à me demander, donc c'est la coque rechargeable. Ma batterie ne tient pas toute la journée, hein, mais c'est super utile, ou alors quand je rentre les mercredis ou les vendredis chez moi, en fin de journée c'est hyper utile. Et je préfère ça aux batteries externes parce que moi les batteries externes ça tient pas et voilà, au moins là ça fait une coque. Celle-ci je l'avais reçue de Banggood ou de Nejoli, quelque chose comme ça je crois. Ensuite, autre petite chose que j'ai à vous montrer, c'est ma montre Daniel Wellington. Voilà, donc j'ai reçu la nouvelle, donc vous savez, celle qui a le fond noir. Bah voilà, Daniel Wellington, qu'est-ce que j'ai à dire dessus? C'est des montres magnifiques. À chaque fois, on me fait des super beaux compliments dessus. Moi, je n'étais pas du tout montre au départ, mais j'en avais déjà reçu une que j'aime trop, et donc celle-ci que j'ai pu recevoir. Donc celle-ci, je l'ai pris en noir avec le cadran rose gold, et c'est le plus petit cadran, hein, parce que moi, j'ai déjà un petit poignet. Mais j'aime trop. Vous avez un code promo comme d'habitude, je vous mettrai en barre d'infos. Les rouges à lèvres à vous montrer, donc j'ai reçu de la marque Makeup Atelier Paris. Donc c'en est 5. Je pense que je vous mettrai une photo sur Instagram pour que vous ayez toutes les références etc. Ça a l'air d'être des bons rouges à lèvres. Je pense pas qu'il doit tenir énormément. Là je ne vois pas dans mon retour si j'en ai encore ou pas, mais ça a l'air d'être plutôt des bons rouges à lèvres. Ensuite j'ai reçu donc cette petite chose que je voulais vraiment vous en parler. Je pense que je vous ferai une démonstration où vous verrez comment j'utilise dans, je sais pas, dans un Get Ready With Me, quelque chose comme ça. Donc c'est la broche chauffante qui vous lisse les cheveux.
Je l'ai testé une fois, j'ai pas été si conquise que ça. C'est de la marque Revlon. En fait, vous lavez les cheveux, vous les séchez, enfin vous attendez genre 2-3, enfin 5 minutes que tout l'eau qui reste s'essore. Moi ça m'a séché les cheveux mais ça me les a pas forcément lissés, puisque le 14 novembre c'était les 4 ans de ma chaîne YouTube. J'avais carrément zappé, je vais pas vous cacher. Voilà, surtout qu'en ce moment j'étais plus trop sur YouTube. Donc voilà, j'ai énormément de vidéos en retard, etc. Donc voilà, mais c'était les 4 ans de ma chaîne et je voulais quand même vous remercier. J'ai pas pu faire de vidéos spéciales par rapport à ça, parce que déjà que j'ai du mal à gérer mes vidéos, mes vidéos sur ma chaîne. Alors si j'aurais pu en plus faire une vidéo sur mes 4 ans pour un peu remonter ma chaîne YouTube, mais c'était compliqué. L'année dernière pour mes 3 ans j'avais pas non plus fait de vidéo par rapport aux attentats et aux événements qui s'étaient passés. Donc bah écoutez, pour l'année prochaine, pour les 5 ans, écoutez, je suis quand même très très contente de cette expérience, d'avoir commencé YouTube. Je ne regrette pas du tout, ça m'a apporté plein de choses. Je suis vraiment très très contente et j'ai pas décollé comme certaines youtubeuses ont décollé dès leurs 2-3 ans. Mais moi je suis très contente de tout ce que j'ai accompli sur YouTube, de ma communauté, donc de vous, de tout ce que j'ai pu apprendre. Je m'excuse si en ce moment je relâche un peu la vidéo, mais vous êtes toujours présente dans mon cœur. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux ou à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse fort et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.